Ben voyons, ça fait là. Ouais, ça a plus d'allure. Bonjour tout le monde, bon matin, bonne nuit. Même le gars en arrière de nous, il est comme, j'approuve pas ce que tu fais, genre, t'as déjà fait cette intro-là trop souvent. Donc, aujourd'hui, dernier épisode avant la finale. On va aller voir Impa. Après ça, je vais vous parler plus en conséquent. Fait que là, dans le fond, vu qu'on a accumulé notre premier souvenir, elle nous donne la tunique des prodiges. Pour matcher avec le reste, ça l'affaire c'est qu'on l'utilisera pas parce que genre le reste de l'armure est upgradé, pas le top. Mais là, là elle fait comme hey, attends! Je sens leur présence! Dans le fond, vu qu'on a libéré les quatre champions, elle est comme hey, ok, ils sont revenus! By the way, moi aussi je me suis battu il y a 100 ans! C'est vrai. Tu avais joué à Age of Calamity, même pas elle là. C'est vrai. Elle a pas pu les protéger parce qu'elle était trop faible! Mais elle était là. C'est pas vrai, dans Age of Calamity, c'est un des personnages les plus brisés du jeu, mais c'est pas grave. Genre, le genre de personnage que tu peux faire son ult à tous les combats, là, c'est... Pour un Warrior Game, c'est beaucoup. Vous êtes tous liés par le même but! Pétez-le, y'a le Ganondorf! Qui n'est pas Ganondorf, mais juste Ganon. Il faut aller au château sous la terre de Hyrule. Le fléau sera bien protégé. Oui, parce que c'est ça. Fait que les créatures divines, c'est fait. Parfait. Là, maintenant, elle veut que je parle encore. Le pouvoir de Ganon est certes diminué, mais j'ignore combien de temps que la princesse pourra encore retenir. Le sort de la princesse, où dois-je aller? Ah, vas-tu me dire? Ok, ben. Oh oui, tu viens d'avoir ce dialogue-là, là, espèce de vieille sénile. Plus tard, I guess. Tu peux compter sur la protection des créatures divines. Bon. Moi, je pensais qu'elle allait me dire, genre, va chercher l'épée de purification, mais ok. On va se donner notre propre quest aujourd'hui. Fait que hier j'ai fait un peu d'overtime pour de 1 ramasser les orbes qui nous manquaient pour avoir nos 13 cœurs. J'ai fait l'échange, là on a juste un point de stamina de plus, mais 13 cœurs. Fait que ça c'est fait. Fait que là, aujourd'hui on s'en va directement genre dans la forêt chercher la Master Sword. C'est soit que ça va être un épisode vraiment court, soit que ça va être un épisode vraiment long. J'ai vraiment pu extrêmement souvenir, malgré que comme je suis déjà allé rechercher la Master Sword sur mon autre game où j'avais rien fait d'autre, mais... Ouais. Fait qu'on va tout de suite se mettre un point... On veut aller ici. On va mettre mauve. C'est rose, tu fais! Hey, pour ceux-là qui savent plus c'est quoi la couleur, je m'excuse. Sincèrement. Fait que oui, c'est... Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de Breath of the Wild qui va sortir à 11h. Après ça, ce soir, on fait un live de 7 à 9. Si ma connexion le permet puis ça fait pas comme la dernière fois, je ferai pas un test de 1h cette journée-là avant. Je vais juste faire le live stream directement. Je sais au moins que ça marche, mais je sais pas combien de temps que ça va marcher. J'espère juste que ça sera pas trop difficile pour faire directement le stream. Fait ta gueule. Ok! Du feu! Du feu! Genre, le gars, il était genre juste comme... Ah! Je vais t'empêcher de... Oh non! Non! Je crame! Je meurs! Pauvre gars. Il avait juste à pas te mettre sur le chemin de la destruction à Link. Fait que c'est bien cute ici. Dans le fond,
Dans le fond, j'utilise une torche. Parce qu'il me faut une torche. Dans le fond, genre... Pour trouver le chemin, il faut suivre, genre, le vent. Donc, avec une torche, dans le fond, on peut voir, genre, par où que le feu s'en va. Mais là, si j'ai pas de torche, ça va faire dur! Ah, c'est super! Fait que... Non, c'est ça. Ça fait que demain, dans le fond, on fait... Demain, on fait la finale de Breath of the Wild. Puis après ça, si tout va bien, moi je travaille pas demain, fait que comme un gros malade, je vais probablement genre streamer le début de Tears of the Kingdom à minuit pile. Pas grave si on est juste deux ou genre tout seul à genre juste comme faire le début, ça va de toute façon rediffuser pis tout. Mais c'est ça, fait que petit épisode relax aujourd'hui. Là, on va juste essayer de pas se perdre. Ça, c'est toujours stressant parce que là, comme si je sors du chemin, ça va me faire un gros chemin de brouillard, puis ça va me retéléporter au début du... Au début du labyrinthe. Puis là, ben genre, il me fait marcher en ligne droite nulle part. Ah, mais attends. Ah, justement. C'est ça. Je m'en allais m'arrêter, voir ce que ma torche me disait, mais... Bon, on reprend ça. Par là. Pour vrai, c'est quand même un puzzle quand même vraiment cool. Comme 4-6 que tu fais, là. Genre, je trouve ça vraiment cool comme principe. Quand t'as aucune idée de qu'est-ce que tu fais, pis que genre, t'es trop con pour remarquer que comme... Il y a un pattern avec les flammes, c'est vraiment de la merde. Mais c'est correct, genre c'est pas notre premier rodéo. L'arbre, il a une grosse bouche. Ok. Ah, c'est ça, ça change de direction, maudit, hein? Ils sont maudits, hein, les petites forêts, genre, du Québec. Moi, pour vrai, là, genre, je le conseille à tout le monde, ceux qui font, genre, de la survie en forêt, promenez-vous toujours avec une torche, puis genre, si vous êtes perdu, allumez la torche, puis dites, checkez, genre, c'est où que le feu s'en va. C'est pas une bonne idée. La CEPAC va vraiment pas vous aimer, puis genre, vous risquez probablement la prison si vous allumez des feux pour aucune raison. Ah, les amis, je pense qu'on l'a eu du premier coup, gang! Genre, je me suis pas manqué, je vois pas de quoi vous parler. C'est pas vrai, Mathis, c'est pas vrai. C'était du premier coup, j'ai du talent. Ah, c'est le représentant de tous les Mathis du Québec. On est allé chercher aussi des petits caca korogu pour... parce que là, il va y avoir genre plein de korogu ici. Ils sont comme tous comme... J'aime que genre mon imitation d'un korogu, c'est genre Todd dans Mario Bros. By the way, demandez-vous pas, c'est normal que genre le framerate soit autant choppy. Ça a l'air que c'est normal pour cette place-là. Fait que la Master Sword est là, on pourrait la ramasser directement, mais je suis curieux de voir si on peut pas parler avec le gros arbre avant. Yo dude, sup, comment est-ce qu'il va? C'est moi le héros, je m'en viens chercher l'épée magique. Ouais, mais j'en ai même pas de besoin, je suis trop cool. Yo, je peux utiliser genre ça pour comme... C'est ça, pour comme... Bon. Ça fait que moi, je vais juste aller parler directement au grand arbre d'écu. Tu sais parler? Non? Ok. Bon ben, on va activer au moins le téléporteur ici. Fait qu'on va pouvoir revenir, genre, quand on va vouloir. La joke, c'est qu'on reviendra pas. Genre, on vient juste dire « Allô, acte de présence !» Puis on s'en va. Ah, parfait, il y a Noya.
T'as envie de danser? Je vais te donner des noix de Korokou. Des petites noisettes, je veux des petites noisettes! Ah! Bon, ça, c'est sûr qu'on a grandi celle des armes. Parce que, genre, ça me tente pas de... Comme, on a assez de place d'armes, mais là, de toute façon, on va prendre la Master Sword, elle va gruger une place de plus. Là, genre, on va ramasser plein d'armes dans le château, fait qu'on est aussi bien d'augmenter le plus qu'on peut. Je pense que je vais pouvoir, genre, mettre comme 2 ou 3 upgrades de ça, puis après ça, ce qui nous reste, on va le mettre probablement dans un bouclier puis dans un arc. Pour 5, ah, fait qu'on a, on a 2 places de plus, guys! Wouh! Ah, c'était minable. Fait que probablement ça va être un arc de plus parce que j'ai pas de besoin de tant de boucliers que ça. De toute façon, demain on va aller chercher le vrai bouclier à Link. Fait que let's go demain. Bah t'as grandi ça le jeune. Tata. Malade. Oh, j'aurais dû prendre un bouclier parce que j'ai déjà 5 arcs, j'ai juste 4 boucliers. Bon, ben c'est pas grave. C'est juste moi qui ai OCD pis qui est comme... Je veux que ça soit égal. Bon, ben... Ça se passe, hein? Link, le reste dépend de toi. Tu es notre dernier espoir, le seul qu'il nous reste. Je t'en prie. Let's go, guys. Ah, c'est ça. Je laisse sur la cutscene. J'ai dû m'assoupir un moment. C'est toi. Alors... Te voilà enfin de retour. J'attendais ta venue. Je l'ai attendue 100 ans. Pour tout te dire, je commençais à trouver le temps long. Tu ne te souviens pas de moi, on dirait. Eh bien... Je suis un vieil arbre qui veille sur les terres d'Hyrule depuis des temps immémoriaux. On m'appelle l'arbre Mojo. Voici l'épée forgée par la déesse des temps anciens. La lame purificatrice que seul le preux chevalier élu de l'épée saura brandir contre le fléau Ganon. Il y a 100 ans, ce preux chevalier qui a brandi l'épée divine, c'était toi. Mais je dois t'avertir. L'épée ne se laissera pas revendiquer sans une petite mise à l'épreuve. Je ne saurais dire si tu es toujours digne de la porter. Mais sache que tant que tu n'auras pas retrouvé toutes tes forces, tu y laisseras la vie si tu tentes de l'arracher de son socle. La prudence est de mise. Fait que pour ceux qui savent pas là, genre ça c'est totalement, c'est vrai, je vous gaslight pas, c'est vraiment genre un vrai fait. Tu sais là le film de Chabotet 2 là, le grand méchant loup, c'est le même voice actor, c'est totalement vrai. Je sais de quoi je parle, j'ai écouté Puss in Boots 2. Si tu veux arracher cette épée du sol, il te faudra faire l'usage de force qui sommeille en toi. Voyons si tu en es capable. Ouais, parce que genre, c'est dans ma tête, c'est le même qui sonne là. L'arbre Mojo. Moi, dans mon temps, c'était le Deku Tree, mais c'est correct.
Genre, je pense que quand on va écouter My Hero Academia maintenant en français, c'est bonjour. Tu peux utiliser mon. Ah. Gros con. Fallait j'attendre. Ok, je vais juste. Je sais pas trop la mécanique de comment que ça fonctionne, mais je prendrai pas de chance. Je m'a juste, genre, me full heal parce que je voyais que, genre, mes cœurs, ils. Ah, ok, faut que je maintienne. Oh. Seulement Link peut brandir l'épée magique contre Ganondorf. Hey, j'en ai des frissons, c'est malade. Je voulais sur la cutscene. J'imagine que c'est une petite fois. Soyez patiente et attendez le retour de votre maître. Même si, comme vous le craignez, son long sommeil efface de sa mémoire jusqu'à notre existence, je sais, je sens qu'un jour, ses pas le ramèneront vers vous. Que comptes-tu faire à présent, prêtresse royale d'Hyrule? La lame que voici, l'épée de légende, m'a montré la voie. J'ai une tâche à accomplir. Tout n'est pas encore perdu. Tu possèdes une grande force désormais. Vénérable arbre Mojo, pourriez-vous lui transmettre un message de ma part quand il viendra ici? Voilà, je... Allons. Un message de cette importance se doit d'être délivré en personne, ne crois-tu pas? C'est vrai. Ce que tu viens de voir s'est produit ici il y a 100 ans. Ok, ça j'allais dire, je m'allais dire la justement, genre... Comment qu'il fait pour voir un souvenir qui n'est pas vécu? L'épée qui tomba de ta main sur le champ de bataille. Aujourd'hui encore, elle poursuit son combat contre le mal au cœur du château d'Hyrule. Attendant le jour où tu viendras la retrouver. Quel sourire envoûtant elle avait. Peut-être le contemplerai-je un jour à nouveau. Elle s'appelle l'épée de légende. Mais si vous regardez, genre, dans 3 épisodes plus tôt, c'était l'épée purificatrice. Mais en anglais, on l'appelle aussi l'épée master. Mais on va se le dire, c'est juste l'épée mauve, quoi. Mais sincèrement, là, genre, je regardais ça pour que l'épée soit maganée de même, là. C'est parce que, genre...
Si je me trompe pas aussi, il y a comme un lien genre de vie entre comme l'épée et son utilisateur, mais en tout cas, pour qu'elle soit maganée de même, c'est que Link a battu en maudit. Puis, spoiler alert, les amis, genre, dans Tears of the Kingdom, est complètement zigouillée l'épée. Fait comme. Donner une idée, là, puis c'est comme une épée comme indestructible, comme. Tu sais, quand elle brise dans le jeu, en réalité, il faut qu'elle recharge, prenne sa recharge, mais comme. Ouais. Si tu brandis l'épée contre le chaos de Ganon, les monstres imprégnés de sa noirceur vont manger beaucoup plus de dégâts. Hihihihi. C'est alors seulement que relève toute l'étendue de la puissance. Mais garde-toi d'abuser de cette épée sacrée. Mmh. Si tu brandis sans nécessité, salam, c'est le Il y a 100 ans, cette arme était toujours à tes côtés. Prends-en grand soin. Fais-le pour celle qui t'attend toujours. Fait que, dans le fond, guys, on s'en va utiliser l'épée sur les Korogus. On s'en va tuer les Younglings. C'est l'Ordre 66. Non, non, non! Non! Fait que... Là, dans le fond, mettons si on n'avait pas eu cette cœur, il nous aurait proposé de faire genre 4... 4 sanctuaires pour avoir un cœur de plus. On le fera pas aujourd'hui. Puis on le fera peut-être jamais sur cette game-là. Mais au moins, on va aller faire le... On va aller faire celui-là ici. Comme ça. Puis après ça, ben on va se laisser. Ça va être un épisode vraiment plus court que d'habitude. Parce que à soir, on fait le gros du projet. Probablement. On va faire le sanctuaire, puis après ça, on va aller s'enligner sur la tour centrale. On va quand même vous faire un outro, genre, le gars vraiment pas meta pantoute. On va vous faire un outro, genre, en sortant de la forêt, puis je vais voir ça, comme, combien de temps que ça va prendre pour faire le reste, puis genre, si je considère que comme c'est pas trop long, puis j'ai pas besoin de le couper au montage, je ferai un deuxième outro. Ok, fait que ça... Ok, oui. Les étoiles seront te guider avec le destin dans un nombre de coïncidences. Okay. Fait que 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4. Ah, oh, ok, de coïncidence, ok. 1, 2, 3, 4, 5. Fait que 5. Dans le fond, là, il y a un pattern direct là. Il faut voir combien de fois qu'il apparaît sur le gros tableau. Comme là, le petit pattern apparaît 5 fois. Celui-là. Une fois ici. Une fois là. On va y aller par deux, apprendre ou à laisser. Non, mais pas deux. Un, deux, trois. Trois. Comme ça. Celui-là, une fois. Une fois comme ça. Puis le dernier. Comme ça, une, deux fois. Et ça? Ouais! Y avait-tu un coffre qui traîne caché? Ah ben tiens, on va... Avec la même affaire ici. Fait que... 4... 2... 2... 1. 4, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 1. 4, 2, 2, 1.
4. J'ai aucune idée si ça va être quelque chose de pratique. J'imagine que ça va être quand même quelque chose de pratique. Là, on est quand même un lieu important. Fait... Ou non, justement, je sais que ça va être inutile parce qu'on est un lieu important. Ok. Ah ben! Ok, c'est correct. C'est vraiment mieux correct. By the way, pour ceux qui se demandent pourquoi que l'épée a fait juste 30, deux choses. Une fois que tu arrives dans une place de malice, elle tape de 60. Mais... avec le DLC, tu peux aussi l'upgrader pour qu'elle tape constamment de 60. On fera pas le DLC parce que il est vraiment, vraiment long. C'est un gros challenge d'à peu près comme une demi-heure, 45 minutes, une heure. Mais c'est ça, dans le fond, c'est trois challenges. Le premier, je pense, t'as monte de 30 à 40. Le deuxième, de 40 à 50. Puis après ça... 50 ou 60, ça vaut vraiment la peine, mais de toute façon, où qu'on s'en va, elle va taper de 60 constamment. Fait que. Bon, ben, c'est ici qu'on se laisse. Fait que. À soir, on. Oh, élu. Oui. Toi, que l'on nomme Link. Moi qui voulais faire un outro, mais non, on va. L'heure est venue. Tu vas être soumis à une grande épreuve. Écoute les paroles de l'arbre Mojo dans la forêt Korogu. Ok, ouais, c'est ça, c'est le DLC que je parle. Dans le fond, il veut qu'on aille, qu'on a fait la Super Mega Master Sword 2, 3 et 4. Les épreuves de l'épée. Fait que, les amis, fin de la partie 17, ce soir, partie 18 en live, la finale. Fait qu'on se voit à soir, on espère que la connexion va fonctionner comme du monde. Puis merci sincèrement à ceux qui sont là depuis l'épisode 1, merci à tous ceux qui ont embarqué, genre midway, genre tout, comme... C'est... Vous êtes malade, vous êtes sur la coche. Fait que on se voit ce soir pour finir ça en beauté. Puis là, ben, je m'en vais voir si je suis capable de faire genre la suite. Puis au PDP, genre, on fera les l'outro rase là. Mais ça fait que ça ici de même. Puis let's go. Comme ça, probablement, on aura juste à faire. On aura juste comme à partir de la tour, on s'en va péter des gueules. Mais on va voir, je pense. Je me demande quasiment si ce serait pas plus cinématique qu'on fasse ça pendant le live comme Let's Go, malgré que je pense que 2 heures. Non, je pense qu'on va commencer le live directement au milieu. Parce que monter une tour dans le live. On va sauvegarder quand même au cas où que je changerais d'idée. De toute façon, on va avoir juste comme une trentaine de minutes. Avec la tour centrale. Ah ouais, un beau gobelin blanc. Qu'il soit blanc, c'est qu'on a ramassé assez de sanctuaires, assez de cœurs. Ah oui, c'est vrai, quand on fait les donjons, ça... Ça augmente la difficulté des ennemis aussi. Ok. Mais ouais, ça paraît qu'on est considéré comme en fin de game parce que sur le plateau, je pense que juste comme quand t'es rendu à maximum de c'est pas de difficulté, mais c'est quand t'es au niveau max, parce que dans le fond t'as un système de niveau secret genre intégré au jeu. Puis quand t'es au niveau max, dans le fond, là il commence à mettre un ennemi silver par groupe d'ennemis. Mais en tout cas, prenez pas ce que je dis sur parole là, je suis pas sûr exactement.
Si vous voulez vraiment genre avoir comme de l'information sur les mécaniques du jeu, allez voir la chaîne YouTube à Croton en anglais. Lui, il fait des vidéos intéressantes sur justement les stats des armes et tout ça. Là, c'est ça que je disais justement l'autre jour dans l'épisode comme 4. Quand que c'est, on est genre dans une température genre de tempête puis tout ça, il faut tout enlever les armes de métal, sinon genre, on se mange un gros éclair dans le visage. Ah, ça va être chill en masse, on s'approche. Ça va être chill en masse, on va aller activer la tour pis on va faire un autre outro sur le top de la tour. Oh non, le gars hyper cheap m'a coupé le outro pendant genre au découtri. Pis genre je vais juste comme restitch l'intro ensemble. Non, je trouvais ça juste vraiment drôle comme idée, mais non, on fera pas ça. Pis on va pas à Grow Guardian pour rien non plus. Ça me tente comme pas de péter un fight direct là, genre on s'en peut temps pour dire que comme ça va être simple là, mais... Putain, j'ai vu que ça marchait, fait que... Quand il meurt... Non! Je voulais pas à Grow Guardian! Ouch! Le gars qui arrête de courir direct là en plein milieu. On va se healer tout de suite avant de comme mourir contre ça. C'est le même. Damn! Damn! Ok, bon ben on a perdu un Darok Sandstorm shit, mais c'est correct. Bon ben, ça s'est passé bien, puis je vais pouvoir flex sur le représentant de tous les Matisse du Québec, puis genre dire « Ah, t'as vu? Je l'ai battu du premier coup, le Guardian », puis là, il va me dire « Ouais, mais ça prend pas de talent, pète un Guardian ». Puis j'ai comment « Ok, Matisse, je m'excuse ». Bon, sur celui-là, on n'aura pas le choix. On n'aura pas le choix parce que sinon ils vont nous tirer dessus pendant qu'on essaie de monter la tour. On va se tasser de là avant de manger un gros éclair dans le visage. On fait tout seul aussi tant qu'à faire. Regarde, on est bien parti, là on l'a le timing. Une chance qu'on joue pas en mode expert parce que le mode expert dans le fond, juste pour déstabiliser les joueurs, ils changent le... Pourquoi que t'as arrêté de m'user? Genre juste pour déstabiliser les joueurs, ils ont changé le pattern. Ça fait qu'au lieu de tirer sur le bip, ils bip puis après ça ils retirent genre. Ah, c'est-tu un auto-reflex si j'ai le Darok Sandstorm? Bah! Regarde, c'est... The more we know, I guess! Bon, on va faire ça de même. Ah, ça fait que finalement j'avais pas le choix quand même de le péter parce que là, ils auraient... Ils auraient target direct là. Dommage, la pluie s'est arrêtée, je m'en allais dire yo, ça va faire genre un YouTube chirp de fou, genre je me place là sur le top de la tour pis je suis comme gros éclair pis tout ça, pis comme demain matin gang, on s'en va là. Demain matin. Moi je suis tellement perdu dans mes dates en ce moment, genre comme là, c'est pas pire, on est juste mercredi soir là, mais je suis tellement tout fou, je suis tellement tout perdu genre de comme les dates tout ça, puis en plus de ça il a fallu que genre je revienne une save en arrière pour comme refaire l'épisode je pense c'est lundi parce que j'ai ma vidéo avait pas sauvegardé, fait que ouais c'est super, mais vous n'y avez vu que du feu. Ben
By the way, je veux pas faire de publicité, mais mon chapeau, c'est du Jurassic Park. J'ai pogné ça l'été passé à Bécomo. Malade. Pour ceux qui savent pas, Bécomo, c'est dans le nord du Québec. Par là. Genre, nord-est. Ce qui est ça. Ok, éditeur, fait juste remettre l'intro de tantôt, puis bon, ça va être correct. La joke, les amis, c'est que j'ai pas d'éditeur, c'est moi l'éditeur. Fait que. Sur ce, les amis, pour ceux qui sont disponibles, on se voit ce soir. On va partir d'ici, puis on va rusher le château. On a 2 heures pour faire le ménage, puis péter Ghana. Si ma connexion le permet. Fait que sur ça, je vous souhaite une belle journée, puis on se voit tantôt. Ciao. À tantôt, prenez soin de vous.